Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, j'avais envie d'ouvrir un petit tripack, voilà, un petit peu ancien, on est sur du gardien ascendant. Tout simplement, ça va changer, et puis vous le savez, j'ai hâte de recevoir les items, la voix du maître, voilà. J'ai fait une petite pause sur la voix du maître, tout simplement parce qu'il me reste encore deux ETB, hein, certainement une que je vais garder pour une ouverture l'année prochaine, ça peut être cool de vous proposer ça, et une que je vais garder en scellé. J'ai précommandé, enfin j'ai commandé tous les items, la voix du maître, disponible en ce moment. Voilà, que ce soit les coffrets avec 5 boosters, je crois, avec 3 boosters. Voilà, tout ça c'est... Alors les coffrets aussi, mouflon, sorcilence, etc. Tout ça c'est commandé, j'espère les recevoir en fin de cette semaine. Et évidemment, je ferai peut-être un petit saut en ville pour essayer de trouver les items en boutique. Voilà, je ferai les différentes boutiques du coin, Cultura, Jouet Club, King Jouet, Carrefour, etc. Micromania, voilà, énormément de boutiques pour essayer de vous proposer ça cette semaine. Alors aujourd'hui... Gardien ascendant, Lucanon en carte promo SM 28. Alors, on revient vraiment dans le temps, là, on est en arrière, il y a 3 ans. Et le magnifique jeton très populaire, évidemment, et vous le savez, Métalos. Voilà, on est sur du soleil et lune. Voilà, j'avais envie d'une petite ouverture tranquillou, sans prise de tête, et puis sans stress de se dire, est-ce qu'on va mettre la main sur une carte. Voilà, la voix du maître, pour moi, c'est la série du stress. Voilà, vous le savez, il y a un enjeu de taille qui est de mettre la main sur, on va dire, au moins un des deux dracofeux. Ça me ferait vraiment plaisir et je n'ai pas de préférence. Les deux sont magnifiques. Voilà, les deux sont magnifiques. Ça, c'est l'objectif. Donc, il y a un petit peu d'appréhension. Il y aura encore plus d'appréhension pour l'année prochaine. Mais bon, ça, j'en parlerai plus tard. L'année prochaine, ça va être incroyable aussi. Franchement, ils nous gâtent en ce moment. On est énormément gâté. Alors, on va sur ça. On a la petite carte de promo. Le magnifique jeton avec le scotch bien dégueulasse. Alors ici, on a le canon, donc SM28, qui est la carte promo, le graphique. Allez, on va essayer de faire ça proprement. Le jeton. Enfin, proprement, c'est toujours compliqué. Voilà. On est... Bon, je vais laisser le scotch. C'est pas très grave. Voilà. Alors on a le jeton Métalos, magnifique, je crois que j'en ai 40, le jeton Métalos, je pourrais en faire une sculpture, je pense que ce serait intéressant de vous proposer un petit, pourquoi pas un petit tuto, réalisation d'œuvres d'art avec des jetons Métalos, ça peut être fun. Alors on a trois boosters, pardon, allez on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, non voilà, comme ça, voilà. C'est toujours un petit peu le casse-tête de savoir par quel booster je vais commencer, mais c'est pas grave, ils vont tous être ouverts, donc là il n'y a pas de souci. Allez on commence avec Tocorico. Tocorico, dont je ne suis pas fan, mais il y a quand même des jolies illustrations de ce Pokémon. Ils arrivent quand même à bien le représenter de temps en temps. Donc voilà, je ne vous cache pas que je crois que c'était... Il y a une carte holo qui est plutôt jolie. Plutôt jolie, elle fait le taf. Ah ben on est 1, 2, 3, 4 évidemment. Alors j'espère avoir un petit truc, mais là je ne suis pas non plus. Voilà, si j'ai pas d'ultra, c'est pas grave. On va se réserver pour la voix du maître. À Mamambo. Le maillet amélioré Sorboule, un Morpheo, Stalgamin, ça fait toujours plaisir de redécouvrir des anciennes séries, Pandespiel, Funessir, on a Ratentif, un style sauf qui pou en reverse, et on aura que dalle, voilà, Corbos en rare. Bon. Deuxième booster de cette ouverture. Allez, on y va. Alors, j'espère que mes commandes vont arriver, hein, vraiment, ça serait vraiment super sympa de pouvoir vous proposer ça dès ce week-end, hein, voilà, ça serait cool, mais enfin, tous les cas, dès que ça arrive, je vous en ferai un unboxing, et bien sûr, différentes ouvertures. On va découvrir ces magnifiques items. Réserve naturelle du paradis, Éther, Farfadubé, Chelours, Thibaudet, le petit Sorbébé, on a un Scorplan, Funessir, Mélofé. Oh, celui-ci il est plutôt très joli. Grolem d'Alola en rare reverse. C'est plutôt sympa. Je trouve que l'effet reverse est très très beau. Et on aura un petit. Oh! 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 C'est une full art. Hein. Oh! Oh,
Oh, décidément, en ce moment, j'aligne les Rembo. Bon, je suis très content, évidemment, même si Boumata fait pas partie de mes Pokémon préférés. Mais ça fait plaisir. Et décidément, là, c'est ma deuxième Rembo. Voilà, je vous l'avais dit, hein, quand on a un mauvais moment, on va dire, d'ouverture, hein, on n'a pas d'ultra rare. Et puis après, ça arrive tout seul. Voilà, paf, hop. Magnifique. Ah, ça, c'est cool. Une magnifique Rembo, voilà, on se fait plaisir, tranquillou. Même si, voilà, pour moi, en tous les cas, je suis pas fan de Boumata, hein, c'est pas un Pokémon que j'adore. Mais bon, la carte est quand même jolie. Allez, on va terminer avec le dernier booster de cette ouverture. Wow, on commence bien la semaine, hein. Franchement, c'est tranquille. Hein. Direct, une autre petite Rembo. Alors, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Oui, je crois que c'était précédente, où j'ai eu un très joli tirage aussi avec une... oui, bah oui, la Marchado, évidemment. Potion Max, recycleur d'énergie, Mesmerella, Brocélum, magnifique duo avec Mimiki, Galvaron, Terral, Tentacool, on a le Mélofée, on a Ratatif en River... Oh, mais c'est incroyable ce tripack. Mais qu'est-ce que... Oh, Métalos! Métalos Full Art, magnifique! Magnifique! Non, mais c'est quoi ce tripack en ce moment? Vraiment hallucinant. Hallucinant. Franchement, ça fait plaisir. Vous voyez, hein, quand on a des mauvais moments d'ouverture, je vous l'avais dit, hein, ça peut pas rester comme ça trop longtemps. Hein. Faut que ça compense, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on a bien compensé? Elle est splendide. Franchement, Métalos GX en full art, très très beau manche. Super content de cette ouverture de tripack. Ça fait super plaisir. Alors, je vais vous remontrer quand même la carte promo, le canon. Hop, ça va vite. Le Métalos. Le top Métalos, hein, franchement, ça c'est du jeton qui fait plaisir. Et enfin, donc les cartes reverse, on a eu Ratatif, le Grelem d'Alola, la rare reverse, et sauf qui pou. Hein. Et enfin, oh mais quelle ouverture, Corbos en rare. On a Métalos Full Art, très cool. Et enfin, une petite Rembo, voilà, tranquillou, à Boumata GX. Voilà, pour un tripack. En plus, je me rappelle, je les ai eu en promotion à 9€ ce tripack. Voilà, tous mes tripacks, la plupart du temps, les anciens, sont en promotion à 9€. Un excellent prix déjà pour un tripack. Bah, ça fait plaisir. Voilà, j'espère en tous les cas cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Je croise les doigts pour recevoir bientôt les items La Voix du Maître. Parce que là, j'ai vraiment vraiment envie de me lancer à la chasse du drac au feu. J'en ai ouvert déjà 40 boosters, ce qui est énorme. Hein. Toute ma collection est là. Toutes mes ultras sont là. Hein. J'ai eu une très belle carte hein, quand même. Celle-ci est pas mal. Mais pas de drac au feu. Voilà, franchement, j'ai hâte de mettre la main sur drac au feu. Hein. Je croise les doigts. Allez, on se retrouve comme d'habitude très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.